Concrètement, ça veut dire que nous allons transformer ce plutonium, enfin 140 kilos de plutonium militaire américain, nous allons le transformer en combustible civil qui pourra demain fournir de l'électricité à des millions de gens. Sur ces transports terrestres, si on parle de transport terrestre, première chose, la première barrière, c'est évidemment le conteneur lui-même qui transporte la matière, qui contient la matière, qui est testé dans des situations les plus extrêmes, au choc, à la chute, à l'immersion, à l'incendie. Seconde barrière, c'est le camion lui-même qui est blindé, équipé de systèmes de défense hautement sophistiqués. Et troisième barrière, ce sont l'escorte hein, qui va protéger ce convoi. You know, Kojima says always the same kind of things, always explaining that this container is very safe, there is no risk. But the reality is very different. We know that in case of normal accident, this kind of FS-47, this kind of cask, where the plutonium is inside, will not be released if there is some kind of fire or something like that. On n'est pas sur Terre pour s'entretuer, on n'est pas sur Terre pour se faire sauter la gueule avec du plutonium ou ces matières qui sont absolument incontrôlées et probablement dirigées par des imbéciles.